Ils s'appellent Bilal, Alban ou Zakaria. Ils sont bruxellois et pratiquent la boxe depuis plusieurs années, une passion qui remonte parfois à l'enfance. J'ai commencé tout petit avec mon grand frère qui s'entraînait. Et puis je le suivais, j'ai accroché, j'ai aimé. Un cousin à moi qui pratiquait ce sport, il faisait la compétition. J'allais le supporter. Voilà, j'étais en tant que supporter. Voilà, et à force de le voir boxer, ça m'a donné envie de monter sur le ring. Alors quoi de mieux que de combattre dans leur capitale à Touré-Taxi lors d'un gala consacré à la boxe thaï et au kickboxing de haut niveau, un événement qu'ils n'auraient pu manquer. Le jour J, c'est toujours un peu stressant, mais après, voilà, une fois qu'on monte sur le ring, on oublie vraiment tout et on se fait plaisir du mieux qu'on peut. Et une fois que c'est fini, on relâche tout. Et au bord du ring, justement, les familles, les proches et les entraîneurs qui se joignent aux passionnés pour suivre les combats. Mon fils aussi, il a joué. On est venu pour ça, pour supporter les enfants et tout ça. Ça fait plaisir, l'ambiance, un peu l'adrénaline. On a envie de voir qu'est-ce qui va se passer et tout ça. On est venu parce qu'on fait de la boxe, donc on est venu voir un peu les combattants, comment c'était et tout ça. Attirer du monde pour ce gala de boxe, l'occasion aussi de donner une autre image de la discipline. Déjà, on a une mauvaise image de ce sport. On essaie de donner la meilleure image. On invite les gens à venir voir. Et tout il se passe sur le ring, il n'y a pas de violence en dehors. On essaie de canaliser nos jeunes un maximum avec des règles. Car la boxe, c'est un sport qui demande un investissement de chaque instant, dont doit faire preuve notre boxeur molenbeekois. On doit bien manger, bien dormir. Faut mettre certaines priorités qui nous permettent d'avoir une bonne hygiène de vie et ça nous aide dans la vie de tous les jours. Il s'agissait de la seconde édition de l'EMP Fight Night à Bruxelles.